Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes mercredi 15 novembre 2023, c'est parti pour une vidéo à Lidl. Oh là là, voilà exactement ce qu'il faudrait m'offrir. Coffret de thé, coffret sommeil et repos, voyage d'essence. Il y a un sachet d'infusion bio, une tisanière idéale pour infuser votre infusion et le mug. Il est trop joli en plus le mug comme ça en noir et blanc. C'est 7,49€. Le crêpe dentelle de la marque Deluxe, 6,99€. Une boîte en métal. Justement, si vous aimez ça, les crêpes dentelles, il y a ça. Mais alors ça, c'est un arrivage de la semaine dernière. Hein. C'est des crêpes dentelles croquants, bouchées de crêpes dentelles au chocolat au lait et caramel. C'est 2,19€. Mousseline petit pois aux asperges, 2,99€. Tablette de chocolat artisanal, 2,29€. Il y a coco, framboise, ouais, au lieu de vous dire des bêtises, chocolat noir avec des fèves de cacao haché, des framboises et des griottes, 70% de chocolat noir, orange, framboise et fraises. Ça c'est du chocolat au lait, et après chocolat au lait aussi avec des noix de pécan, framboises et myrtilles. Et après on a encore du chocolat noir cette fois-ci avec des pistaches et des framboises. Alors tiens, je vous ai dit qu'au début de vidéo j'aurais voulu une infusion, mais non, en fait je change. Ce qu'il me faudrait en ce moment, c'est ça, une bonne tablette de chocolat. Haricots verts extra fin, donc 4,09€ si vous les prenez, enfin le lot de 2, si vous en prenez 2, donc 4 boîtes, ça fait 5,72€. Knorr velouté carotte française, donc 2 achetés, 1 offert. Tout seul c'est 2,89€. Tiens, d'autres thés, des thés Yogi. Le premier produit, il a 2,09€, il y a matcha vert, donc c'est énergie. Chai aux épices, thé noir, cannelle, gingembre, très bon aussi. Nuit calme, nuit calme. Alors ils mettent honeybush, racine de valériane et rooibos, et gingembre, orange, cannelle, vanille. Alors il y a remise, le deuxième produit acheté. Donc ça vous fait les deux produits à 2,75€. Ça aussi c'est pas mal, hein, si vous faites des petits coffrets, des petits panières cadeaux, c'est une très bonne idée. Ça avec une petite tablette de chocolat. Après on peut faire plein de paniers, on peut ajouter un plaid, les plaids ça plaît énormément. Après c'est toujours pareil à qui est adressée la panière. On peut rajouter des petites boules de bain, on peut rajouter une bougie. Moutarde de miel, 1,99€, 100% naturel. Moutarde au miel, je me disais moutarde de miel, moutarde au miel. Mais d'ailleurs dans certaines vinaigrettes maintenant c'est très, depuis quelques années, hein, très très apprécié quand on met un petit peu de miel. C'est vrai que ça apporte un petit goût sucré, ça balance au niveau des goûts. Et bah du coup bah maintenant bah vous avez déjà le miel dans la moutarde, 1,99€. Oh, voilà, ça aussi. Corbeille de fruits, 9,99€. Lait de coco bio, 2,79€. Le premier, on a les deux pour 3,90€. Ça c'est bon, ça, les tendres perles, 2,69€. Ah bah tiens, les boîtes, je crois que je vous les ai présentées la semaine dernière il me semble. Puis du coup j'avais pas les prix, c'est 4,49€ la boîte de biscuits. Bon alors il y a une petite amélioration par rapport aux boîtes d'habitude, c'est que là il y a des gâteaux, je crois que d'habitude on n'a pas ces gâteaux au chocolat là. Ça c'est très très bon à tremper dans du café au lait ou dans une tisane ou du thé. Puis après les boîtes sont très jolies, hein. C'est les fameuses boîtes qui finissent en boîte à couture. En boîte à couture, moi je sais que j'en ai une, mes enfants ils mettent leurs cartes dedans. C'est vraiment des boîtes qu'on peut réutiliser après. On a la boîte Toblerone, boîte en métal, 13,99€. Côté frais, on a des coulants au chocolat à l'orange, 1,99€. Si vous aimez l'orange, tout ce qui est chocolat à l'orange, ça doit être vraiment bon. Alors j'ai déjà testé plusieurs fois, goûté plusieurs fois leurs fondants au chocolat, ils sont vraiment très bons. Ils ont deux fondants, il y en a un qui est au rayon frais,
au chocolat, ils en ont un au rayon surgelé, et au rayon surgelé, il y en a un au chocolat et un au caramel. Moi, je préfère la version chocolat. Mais ça peut être sympa à goûter. 1,99 € les deux. Le saumon de Norvège avec des graines de sésame, 3,99 €. Voilà, il y a 100 grammes. Chaque année, moi, je prends leur saumon de luxe, il est vraiment très bon. Alors juste, je crois qu'il y a 2 ans, je n'avais pas eu beaucoup, et c'est vrai qu'il a tellement de succès qu'en général, il faut être là quand ils les mettent. Alors ils ont en plus plusieurs variétés. Les pâtes fraîches, il y a roquette, ricotta ou truffe, 1,51 €. Un soufflé au chocolat ou caramel, 2,29 €. On a un kit pour brioche roulée à la cannelle, 2,99 €. Il me semblait qu'il y avait un nom, ça, je sais plus, tiens. Donc voilà, on a la préparation et puis on va voir la pâte, le rouleau de pâte. Donc pomme cannelle, 2,99 €. Les apéritifs à tartiner, tapenade noire, tomate basilic, 1,49 €. On a du camembert au buffala. Ça doit être bon à goûter ça. 4,49 € au lait de buffala, 4,49 €. Les blinis, 99 centimes. On a du Bria Savarin à 3,15 €. On a les Havre Myrtille qui sont en promo là à 1,75 €, mûre et myrtille. Non, c'est pas. Dommage, j'ai pas le prix du fromage là. Sinon, on a des. Ah si, c'est du fromage. Oh, je pensais que c'était une sorte de madeleine ou autre. Et non, non, c'est fromage enrobé, pomme cannelle. C'est marrant, ça, on dirait un petit gâteau. 2,19 €, ça a l'air d'être du fromage fromage de chèvre, voilà. 2,19 €, ça c'est original ça. Un peu en trompe-l'œil comme ça. Le rocamadour, j'ai pas encore goûté. 2,35 €, je sais pas du tout si c'est un fromage. Donc c'est un fromage au lait cru déjà. Bûche de chèvre, 3,24 € la première, ça fait les deux à 4,53 €, c'est des bûches de 300 grammes. C'est vrai qu'avec le fromage de chèvre, voilà, les bûches comme ça, on peut faire pas mal de même d'entrées, que ce soit des petites, comment on appelle ça, prendre du pain et mettre juste une rondelle de fromage de chèvre, mettre justement, on parlait tout à l'heure de miel, un petit filet de miel dessus, puis on peut le déguster évidemment comme ça. On peut en mettre aussi dans une pâte feuilletée et la passer au four. Il y a vraiment pas mal d'idées, recettes autour du fromage de chèvre. Le retour des baby carottes, mais alors du coup ils les ont mis au rayon pâtes à cuire et des salades. C'est 1,78 €, ça c'est bien les petites baby carottes là justement à mettre dans un plateau avec un petit ramequin au milieu de fromage, ail et fines herbes ou autre. Tartare de saumon à la ciboulette et au citron, ça a l'air bon ça aussi. 3,09 €. Alors attention, le tartare c'est du cru. Hein. Et quand on prépare un repas, alors je le dis, je sais que vous le savez, mais je me dis peut-être que l'un ou l'une d'entre vous, regardez bien le temps des décongélations. Pourquoi je vous le dis? Parce que moi ça m'est déjà arrivé, j'ai acheté un truc à faire à manger et j'ai pas regardé le temps de décongélation. Et j'ai sorti ça quelques minutes avant et je me suis dit, oh non, fallait le sortir 6-8 heures avant. Les baguettes surprise, 9,49 €. Alors il y a basilic, copeaux de parmesan, bœuf charolais et beurre, saumon fumé et tartare concombre, bacon, poivron rouge, moutarde. On a les trésors saumon poireau, parce que ça a l'air bon ça. Les trésors, c'est 3,99 € les 4. Celui-là, il faut vraiment que je le goûte cette année, parce qu'on l'a chaque année celui-là, et beaucoup me disent qu'il est vraiment très bon. Donc c'est un saumon en croûte à 7,49 € avec une petite sauce là, ça a l'air bon, ail et fines herbes. Et ça a passé au four pendant 60 minutes. On a des brocolis chou-fleur, donc un mélange de choux. Un trio plutôt, c'est 1,69 €. Les mini corolles, c'est 2,95 €. Alors on a chèvre-miel, fromage frais gorgonzola, aubergine, fromage frais, courgette grillée et menthe. Donc pour ceux qui me demandent, donc celui-là il est bien, il n'y a pas de viande dedans, pour ceux qui ne mangent pas de viande, 2,95 €. Alors c'est vrai, toujours pareil, on me dit ah mais bon c'est toujours moins cher de les faire soi-même, c'est vrai. Sauf que bah, il faut avoir le temps, il faut avoir tous les ingrédients, et des fois c'est bien d'avoir, quand on fait un repas, on accueille beaucoup de monde ou on a envie d'avoir beaucoup de choses à table,
Des fois, c'est pas mal d'avoir peut-être une ou deux petites choses qui viennent directement du surgelé. Donc on a le coffret apéritif de 100 mini feuilletés, 5,49 €. Alors par contre, dans celui-là, il y a des légumes et il y a aussi de la viande. Il y en a tomates et graines de sésame, lardons et graines de sésame, légumes du soleil, champignons de Paris, lardons et oignons, tomates et fromage. Et après, on a les 46 à 3,69 €. Alors vous voyez, par contre, celui-là, il n'y a pas de viande, il y a du poisson. Donc celui-là, il y a saumon persil, champignons de Paris, fromage de chèvre, légumes du soleil, tomates et graines de pavot. Les crèmes glacées, 3,49 €. Mangue et vanille. Et il y a celle-ci. Alors celle-ci, vraiment, je vous la conseille. Enfin, si vous aimez, bien sûr, la fraise. Elle est vraiment bonne. Alors cette crème, elle est onctueuse, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup dans celle-ci. Donc 3,49 €. Les queues de crevettes décortiquées crues. Il y a 720 grammes pour 10,99 €. Un petit tour dans les Pandoro Panettone, parce que vous me l'avez demandé. Les Pandoro, celui-là, le classique, est à 6,79 €. Panettone au chocolat, 5,69 €. Aux fruits, 5,49 €. On a l'orange à 6,29 €. Et on a au citron à 5,49 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu trouver des choses qui vous intéressent. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard.